caché dans eux. Ils se cachent. J'ai rien fait. Libérez-les. Oh, merde. Ah, non. Il va lui sortir les tripes. Ah, oh, mais non. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Cherchez les vagabonds. Puissent-elles nous quitter? Ils l'ont pendu. Tu es en courant pour Lily? Oui, c'est vraiment honteux. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais ça me surprend de la part de sa sœur. Je plains leur mère. Elle aurait dû sentir qu'il y avait un truc bizarre. Elle est dans les hautes herbes. Elle m'a semé. La chasse est ouverte. Elle se cache dans les environs. Vache. Non, ok, elle me voit, elle. Merde. Oh putain. Oh la vache. Oh. Oh la vache. La première fois, elle lui sort en mode j'ai plus l'argument, donc je t'aime comme excuse. Mangera plus vers 22h du coup. Ok. Ouais, j'ai tenté des trucs côté assassinat. Attends, est-ce que je l'ai bien pris le truc d'assassinat full amélioré là? Ouais, rapide, ok. Bon. Oh putain. Putain, mais ils sont tout en paquet là! Derrière. Ok. Où ça? Où ça? Où ça? Il est où? C'est trop stylé dans les hautes herbes, en vrai. Putain, où ça? Vous êtes tout bande d'enfoirés, putain, je les vois pas. Oh, ça, c'était pas mal, ça. Ça, c'était pas mal du tout, ça. Mais putain! Coucou, je suis un geek. Pour l'instant, on est en full fufu, hein. Et un bon fufu en plus. Eh, j'utilise ou pas le silencieux alors? Bon, bon achat.
Ok. Tout est sous contrôle. Tout va bien. Tout est parfaitement sous contrôle. Putain, ils lootent même pas ces cons-là, ouais. Ils ont rien looté, cette bande de nuls. Ils peuvent vraiment faire un silencieux avec une bouteille. Dans les films, dans les jeux vidéo, oui. IRL, je suis pas sûr. Si tu veux, il y a Monomique qui peut... Si Monomique est là, fin, tu pourras lui demander, il est dans l'armée, donc... Il doit connaître logiquement un peu... De connaître un peu les armes. C'est chelou là. Pour l'instant, je me trouve bon. Il y a un truc qui va déconner à un moment. Non, parce que pour l'instant, oui, tout se passe trop bien. Je réussis mes tirs. Ça se passe pas mal. Oh la vache. Oh putain, ce trou que ça lui fait à la balle. Oh putain, mal de tête. C'est que j'ai plus de balles de gun pour faire le silencieux. Là, les prochaines attaques, j'ai les balles, mais pas très silencieux, quoi. Puisse-t-elle te guider? Ouais, c'est ça, non, mais c'est la meuf qui a, dont ils ont parlé là, qui a les cicatrices en mode Joker. Et alors, lui, il est en mode bon appétit. Y'a des gens qui sont en train de dîner là? Allez, bon app, ça me fait plaisir. C'est simple, c'est cadeau. C'était, voilà. Hein. Comment ça, je suis un connard? Ah, c'était prévenu, hein. Le point d'exclamation connard, on le spam assez comme ça ici, hein. On ne s'en cache pas ici, messieurs dames. On ne s'en cache pas. Ah, tiens, il y a un truc là. Un peu de sel et de bière. Ça, c'est la journée, c'est la soirée de natte, ça. Bon, alors. Il est mort, le pendu, la chochotte. La question, c'est est-ce qu'il est d'abord mort de la pendaison? Ou d'autres choses. Ou d'avoir effectivement petit problème au ventre. Hein. Petit problème d'estomac. De colon plutôt. Enfin de. Intestin. Bref. Je suis pas sûr qu'un smecta suffise en tout cas. Voilà, voilà. Attends, il y a un loot là. Je pourrais remonter ou pas? Putain, j'espère que j'ai vu un loot. Ah, oh, putain, ça prend un vieux fusil de merde. C'est bon, on peut le faire. C'est la bière, mais de grande passion. non. Ah, on monte par là, on monte par là. What? Merde. Bon, c'est fini à discrétion. De toute façon, je pouvais plus. Oh merde, je l'ai... Merde, putain, j'ai raté l'esquive. Oh là là. Dans le trapèze. Il va falloir des très gros trapèzes pour stopper un coup de... Vous voyez, par exemple, là, comme je meurs quand même pas mal, je suis bien content d'avoir d'être sur la PS5, ne serait-ce que pour les chargements. Je pense qu'ils m'ont entendu quand j'ai couru comme un gros bœuf, en fait. Après, j'ai encore mes pièges et tout, mais c'est vrai que là, l'aspect...
L'aspect furtif va être quand même grandement diminué, hein, clairement. Ta lumière. Ah putain, c'est vrai que c'est pas les infectés. J'avais oublié. Jour 2. On va chercher Nora à l'hôpital, je suis un geek. On est actuellement à l'hôpital qui est visiblement occupé par contre par les Scars. Et on cherche Nora des WLF pour trouver la localisation de Abby. J'espère que ça peut t'aider. Et l'hôpital est... il est l'hôpital moi d'ailleurs. On n'en est pas loin. Une vagabonde. Oh merde. Putain. Putain, j'arrive pas à esquiver. Nice. Oh, je vois lâche. C'est quoi ça? Ah nice. Double nice décidément. Ah là je vais faire mal. J'ai voulu faire un truc furtif, hein, mais bon. Ça n'a pas marché. Soit la furtivité, c'est surfait. Je sais pas où il est l'hôpital, moi, là. Je serais pas complètement revenu sur mes pas là, mais si putain j'ai tout redescendu. Ah je me déteste. Dans ces moments là je vous jure je me déteste. Ça m'en ouf. Elle est bien cette emote. Elle est adaptée. Oula. Logiquement, non, hein. Ah non, j'en ai pas, hein. Attends. Ouais, ouais, sifflez tous vos sous. Chier, en voilà d'autres. Pas de soucis. D'où est-ce qu'ils sortent comme ça? Y'a plus de bruit. Attention, regarde. Ils sont où, putain? Ils arrivent par où? Beaucoup de wolves sont tombés aujourd'hui. C'est vrai. Mais... ils sont encore nombreux. Et ils se rassemblent. Ne t'en fais pas. Nos éclaireurs les ont à l'œil. Ils ne nous prendront pas par surprise. Oh. Ça venait de cette direction.
Ça va. Je hais cette ville. On a quand même... Oh la... Il est où ce putain d'hôpital? Oh putain. Oh, va falloir un sacré lifting, elle. Hein. Ah ouais, la balle de... La balle de fusil de chasse... Photo Tinder, ça. La balle de fusil de chasse dans la poire, ça... Pfff. Je comprends pourquoi t'es bien en munitions GG. Je crois que c'est un compliment parce que... Alors, j'ai l'impression d'être... Si j'ai l'impression de prendre la grossette, c'est un compliment parce que je vis bien, c'est ça? Je crois. J'ai un doute. Ça me fait bizarre, en fait, si c'est ça, je suis pas habitué. Merci, c'est ça. Ce qui est très bizarre, c'est qu'à des moments, je vise comme une merde. Et des... Oui, banane. Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut, madame. Oh putain. Ah la vache. Le pire, c'est que tout à l'heure, pendant... Si tu m'avais vu pendant la phase... quand il y avait avec Jessie, c'était une catastrophe. J'étais nul à chier. Banane. Dragon X. Pas mal. Pas mal du tout, Dragon X. Putain, vous avez tellement d'emotes. Bien joué, bien joué. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Des moments, tu vises comme un caca, mais en général, tu mets une bonne headshot. Ouais, mais il y a des moments, tu vois, j'arrive pas à aligner deux balles correctement. Je sais pas pourquoi. Je vais dire que c'est le petit frère, hein, si j'en avais un, qui prendrait le relais, mais je sais pas. Mystère. Tac. Et pour le coup, hein, je remercie encore Ghost of Tsushima, hein, qui est vraiment fantastique hein, à ce niveau-là. L'arc de Ghost of Tsushima, c'est tellement bien pour apprendre à viser en cloche et tout. Faites Ghost of Tsushima de tout cœur. Faites pour tous ceux qui ont une PlayStation, putain. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5. Faites Ghost of Tsushima. Ce jeu est tellement génial. Tellement, tellement génial, putain. Grand jeu. J'y repense souvent, hein. Sachez-le, hein, j'y repense souvent, hein, c'était... Ah, ça vaut au cas où, hein, ça vaut le coup d'attendre la PS5, mais ça, il sera bon quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'est vrai que sur PS5, grâce aux 60 FPS, il est vraiment stylé. Et sur ce jeu, contrairement à là, c'est vrai que le 60 FPS aide quand même pas mal. C'est un très bon jeu, c'est un grand jeu, un bon jeu, voilà. Bah les couilles, comment ça la porte elle est fermée? J'ai une hache moi. En plus c'est une putain de hache à deux mains qu'elle a en vrai là. Là on n'est pas sur de la hachette hein. On est sur de la putain de hache de pompier ou de bûcheron là. Hein. C'est de la hache de Jean Vénère ça. Ok. Ah évidemment. Oh, il est vénère lui. Mais il est fou de m'avoir lâché. Petite balle dans la tête. Mais... Tu veux jouer? Tu veux jouer, enfoiré? Ok, tu veux jouer. Dessus. Non, là je t'ai pas dessus. Ok. Mais putain, ça m'a perturbé. Mais. Ok, il y a un bug. Il y a un bug. Là j'étais dessus, j'en suis certain. En fait, il doit être considéré comme caché par la porte, même si on le voit. Ça, c'est dommage. Coucou. Non. Tu peux faire un clip de mon dernier tir. Quand je tire, je suis pile poil sur sa tronche. Je suis pas d'accord. Putain de merde. Oh yes, le marteau. Bon. L'hôpital. Izzy, t'es là ou pas? Est-ce que t'as vu cette masse à deux mains que j'ai énorme? Tu l'as tué deux fois là. On est d'accord, Dragon X. Merci. Ah, j'étais en plein sur sa poire là. Je suis prêt à parier un sub. Hein. Là, je suis sûr et certain que sur le dernier tir, j'étais. Attends, c'est titre. J'ai dit quoi?
J'étais en plein sur sa poire. Non, c'est quoi? J'ai dit quoi? Parce que ça, généralement, c'est titre de ta sextape. Mais j'ai dit quoi? J'en veux même plus. Qu'est-ce que c'était quoi? Tu étais dessus deux fois. Ouais. Ah, c'est pas le meilleur. Pas le meilleur. Allez. Un gros marteau à deux mains. T'as déjà... Franchement, je sais pas combien de mecs t'as été. T'as déjà connu un seul mec qui a appelé sa bite son marteau à deux mains? Franchement, fuis, c'est le cas. Parce que moi, je sais pas. Hein. Mais si un de mes potes appelait sa queue à son gros marteau à deux mains, ça serait plus mon pote. Hein. Je garde pas ça dans mes amis. Hein. Je refuse. Hein. Je refuse complètement. Hein. Pookie, tu nous fais... Pouk, dis-moi tout. Non, mesdames, hein, si vous croisez un mec hein, qui parle de marteau à deux mains en parlant de sa teub, hein, c'est pas... Je pense que ce mec a de gros problèmes. C'est pas rassurant du tout. Hein. Aïe. Bon. En tout cas, c'était chill. Vous voyez, par exemple, c'était cool parce que le mec était à la masse à deux mains. Moi, j'étais avec ma hache à deux mains. La hache a triomphé de la masse. Tout est normal. L'équilibre de la vie. Tout est bon. Il me faut du duct tape. Et je vais pouvoir avoir un marteau à deux mains. Mais si de la peine Mjolnir, c'est pas mieux. Yes. Seul l'élu pourra la soulever ou je sais pas quoi, un truc comme ça, enfin, tu pourrais faire... Bah Trail a déjà une grosse enclée. Non, c'était la poutre. Trail, c'était la poutre du tout, ça. Bah ça, c'est un meilleur titre. Je m'en fous de partout, putain. Non, mais attends, on peut pas dire un truc sans avoir des pensées sexuelles, c'est terrible. Aïe. Bref. Mon louton. C'est passionnant, le loot. Putain, j'ai plein de balles, j'ai pas fait gaffe. Nice. Appelle brasseur de plaisir. Hop. Putain, il me faut toujours du duct tape là. C'est un bureau, il y a forcément un connard. Il est où? Ça, c'est encore Jean-Claude qui a caché la graffeuse et le scotch. Ah bah voilà. Vous voyez, il suffisait de râler. Tu râles, t'as toujours tout direct. Voilà, fallait juste râler un peu et c'est bon. Jean-Claude, il a ramené la graffeuse et le scotch. Merci Jean-Claude. Bon, c'est parti, on saute. Wouhou! Ok. En vrai, c'est tellement de trucs que je pourrais pas vraiment faire. Ce que je l'ai fait, putain, tant de travailler en open space, mais bon, je parlais pas aux gens, quoi, donc ça me dérangeait pas. Ça donne pas envie, quoi. Mais pensez à tous ceux qui vont s'assainir leur historique pour avoir pas curiosité le résultat de la recherche. Oh, ça a sûrement déjà été fait. Oui, il fait froid comme ça chez moi, là. Est-ce que j'aurais pas les fenêtres ouvertes un peu partout, là? Y'a quoi en bas? Rien du tout, en fait. Non, rien. Bon. Enfin, je reviens en arrière, quoi, comme d'hab. J'ai envie de dire, quand même. Comment je pouvais revenir en arrière sachant que j'ai sauté? Bon, je sais pas. Quand tu vois qu'il est dans Resident Evil, tu es déjà... Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf, Resident Evil 8. Alors, vous savez que j'ai toujours pas vu le trailer, pour ma part. Hein. J'ai pas vu le trailer, mais la meuf, par contre, la géante au gros sein, là, je l'ai vue 42 fois sur 9gag. C'est un délire. T'as oublié la fenêtre de ta chambre. Attends, je vais voir. Heureux. Écoute, tape juste Resident Evil 8 ou Big Lady 9gag et les bords. Tu fais juste ça, d'accord, sur Google en 2 secondes. Y a rien de porno pour le coup, hein, mais full dessin, enfin, y a peut-être du porno aussi, je sais pas, mais sur 9gag, c'est full dessin en mode Rue 34, quoi. Ah ouais, c'est l'incarnation de la Big Titty God Girlfriend, quoi. Sauf qu'en plus, avec un peu côté MILF, comme elle est un peu plus vieille.
Donc là, les mecs, ils sont... Attendez. Alors moi, je suis pas un pro, ça. Mais ça, pour moi, c'est l'arène de boss. Ça, là, c'est trop calme, trop ouvert. Ça pue du cul de ouf. Je colle, hein. Je colle le truc. Ça pue du cul. Je le sens pas du tout. Voilà, je tiens à le dire. Mais non, est-ce que c'est une terrasse? Ouais. J'ai peut-être trop joué à Dark Souls. Y'a vraiment rien? Bah justement, c'est pour ça qu'ils font des dessins de la madame et les bords. Non mais il faut que je le mate de toute façon, je vais le faire. Hein. J'étais, si j'avais eu de la thune, j'aurais pris toute la saga qui était en promo. Il y a une semaine, toute la saga était en promo Resident Evil sur Steam. Gros boss. Ouais, c'était ouf. Hein. Et ce que j'ai déjà fait en live le 2 et le 7. Je les aurais bien tous fait et même refait, quoi. Parce que c'était très très cool en fait. Mais je les ferai, je pense, à l'occasion. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a mis dans Saga Resident Evil, parce que c'est tout à fait le genre de saga faisable. Par contre, il faut que Bibou il soit chez Natamaniac et que mon cœur soit en bon état. Hein, parce que je pense que je vais crever de peur. Hein. Parce qu'il y a un bon lore et tout en vrai dans Resident Evil, hein. Ça suffit quand même pas mal. Oh la pharmacie. Alors. Oh là là. Oh, je le sens pas. Eh ben on est parti. Sachant que j'ai adoré le 2 et le 7 que j'ai fait pour l'instant, les bords. J'ai vraiment trouvé que c'est des très bons jeux, tu vois. Pas que des jeux flippants, des jeux aussi avec un gameplay au top. Il a été remaster le 3. Remake en plus, désolé, remake. Le 1 l'a déjà été fait. Le 2, 3, 4, je sais pas. Ouais, je le fais à l'oreille. C'est vrai que je pourrais fouiller, mais bon. J'ai eu le premier, j'arrive pas à le trouver celui-là. Ah. Ok. Non. 38, 55. Allez. Oh putain, ça a marché. Au talent. Ah ouais, c'est rentable. Hein. C'est rentable de ouf. Alors. Ouais. C'est quand même pas mal ça. Full explo. Parce que je vois pas trop ce que je peux monter l'autre en vrai. Après, le mode écoute amélioré, c'est quand même stylé. Non, ça, je m'en contrefous. Ça, c'était stylé. Allez, hop.